Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Cette semaine, vous revenez de nouveau sur la notion d'émerveillement que vous aviez abordée avec nous la semaine dernière, mais vous êtes un petit peu plus précis cette fois-ci et vous allez nous parler d'une de vos sources d'émerveillement, l'émerveillement cosmique. Oui, ma chère Agnès, je suis un enfant du XXe siècle et le XXe siècle est celui où notre connaissance du cosmos a vécu une véritable métamorphose. Dès 1915, Einstein, que tout le monde connaît, ouvre le bal en développant la théorie de la relativité générale, qui fait un lien entre la masse et l'énergie. Ces découvertes fantastiques nous permettront de commencer à domestiquer l'énergie de la matière. L'énergie nucléaire permet de produire de l'électricité, mais aussi des bombes atomiques. À partir de ces découvertes, l'homme réalise sa puissance, mais aussi sa fragilité. Et ça, c'est extraordinaire, la découverte de cette énergie nucléaire. Mais avouez, il y a que l'existence des bombes atomiques, en revanche, là, ce n'est pas une source d'émerveillement. Honnêtement, ça fait peur. Je partage votre inquiétude sur les dangers des armes nucléaires. Agnès, ce qui m'émerveille, c'est une autre découverte du début du XXe siècle. En 1927, il est beaucoup moins connu, lui. Georges Lemaître, qui est prêtre mais aussi physiciens, émet l'hypothèse que notre univers a un début. Vu son métier de curé, il n'est pas très pris au sérieux par les scientifiques. Cependant, 20 ans plus tard, la naissance de l'univers est devenue vérité reconnue par tous les astrophysiciens grâce à l'astronome américain Edwin Hubble, qui a démontré que l'univers est en constante expansion dans toutes les directions. Toutes les études postérieures amènent à reconnaître que l'univers a un commencement visualisé. Si notre cosmos s'agrandit en permanence, hier il était plus petit et à l'origine on retrouve le point zéro. À l'origine il n'y avait rien et notre univers est né. Or, ces découvertes cosmiques sont compatibles avec les débuts de la Genèse quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, ce moment de fiat lux est appelé le Big Bang. Alors ça on est d'accord Hilaire, mais il semble que contrairement à la Genèse, le cosmos de nos astrophysiciens n'a pas été créé en 7 jours, 7 fois 24 heures. C'est plutôt symbolique. <laughs> oui. Aujourd'hui, tous les astrophysiciens sont d'accord pour dire que le Big Bang a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. C'est beaucoup plus que 7 jours. Hein. Je suis abasourdi par ces milliards d'années. Imaginez que depuis 13,7 milliards d'années, notre univers se dilate constamment, sans interruption, pendant 13,7 milliards d'années. Nous, terriens, habitons la galaxie appelée la Voie lactée. Une galaxie, c'est comme une grande agglomération vue du ciel. La Voie Lactée est composée de 200 milliards d'étoiles. Ces chiffres peuvent nous donner le tournis. 200 milliards d'étoiles, ça nous fait 20 étoiles par habitant de la Terre. Ça nous dépasse totalement. Et parmi ces étoiles, il y a notre Soleil. Oui, une des 200 milliards d'étoiles de la Voie Lactée, notre étoile solaire, n'est pas vieille. Elle n'a que 4,57 milliards d'années. Cette étoile nous éclaire chaque matin. C'est cette étoile qui nous réchauffe chaque jour. On ne peut que dire merci, car le Soleil est évidemment indispensable à la vie sur Terre, donc à la vie de chacun d'entre nous. Et la Terre, alors, elle est née quand, elle 300 millions d'années après la naissance du Soleil, des métaux et roches qui traînaient dans la banlieue du Soleil se sont agglomérés pour former les neuf planètes du système solaire. La Terre se refroidit tranquillement, simplement pendant 800 millions d'années. Et quand elle est à la bonne température, là se produit un phénomène absolument inouï. Toujours aussi mystérieux. Un phénomène incroyable, un phénomène fantastique. Je suis ému quand j'essaie de penser ce phénomène qui aujourd'hui semble unique dans le cosmos. Et vous allez nous parler de l'apparition de la vie. Oui, Agnès, vous avez trouvé. La vie est apparue sur la Terre il y a 3,8 milliards d'années. Quand je dis sur Terre, je devrais dire dans la mer. Parce que dans plus de 3 milliards d'années, il n'y a de la vie que dans la mer. En effet, il n'y a que 500 millions d'années que la vie s'est installée sur Terre. C'est une bonne idée pour nous terriens, sinon on ne pourrait pas marcher sur la Terre. Donc tout ça, ça se rapproche de nous sur l'échelle temporelle. Et nos ancêtres, alors les premiers hommes, quand arrivent-ils Nous avons retrouvé les traces de l'Australopithèque appelée Lucie. Elle est née en Afrique il y a juste 3 millions d'années. Mais nos vrais ancêtres, les Homo sapiens, sont arrivés sur Terre il y a 300 000 ans. 300 000 ans, c'est hier. Mais pourquoi est-ce que l'histoire du cosmos vous émerveille autant, Hilaire Nous sommes en 2024. Je suis là à contempler le ciel. Je suis émerveillé d'être le fruit de cette évolution cosmique, émerveillé d'être le fruit de l'évolution de la vie, émerveillé d'être le fruit de l'évolution de l'esprit. Heureusement que nous sommes là humains pour nous émerveiller de l'existence de l'univers, car ce n'est pas les cailloux qui vont s'émerveiller. Par notre intermédiaire, l'univers se contemple lui-même. N'est-ce pas cadeau Je crois que Dieu, ou l'esprit de l'univers a voulu que nous, humains, contemplions l'immense beauté qui nous s'enveloppe de partout. Merci beaucoup Hilaire. Et puis avec tous ces chiffres maintenant, j'aurai l'air beaucoup plus intelligente quand je contemple les étoiles, le ciel chez moi pendant l'été. Belle soirée à vous Hilaire, on vous retrouve la semaine, bien, la semaine prochaine. À la semaine prochaine.